Ah mais ça tourne ? Ouais. Bonjour à tous, c'est Karine, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette 8e vidéo déjà, dans laquelle je vais faire du fluid art. Alors, j'avais pas prévu de refaire du fluid art, mais vous avez laissé tellement de commentaires, encore plus que sous la précédente vidéo, que j'ai pas le choix en fait. J'ai pas le choix de refaire un autre fluid art, et j'en referai peut-être, il y a beaucoup de voitures, je suis désolée, j'en referai peut-être encore un autre après, on verra. Voilà. Donc aujourd'hui, Gabin... Je vais fluidifier un super-héros, Spider-Man. Voilà. Spider-Man. Donc, du coup, Alors, j'ai pris peinture rouge, peinture bleue, les deux peintures essentielles pour de la Spider-Man. Tenue de Spider-Man. J'ai pris du blanc, j'ai oublié de prendre la bouteille de noir. Et j'ai pris aussi de la peinture noire. Bah voilà, logique. Donc, ça sera un fluid art, quatre couleurs. Et maman, du coup, Spider-Man, c'est quoi ça représente quoi? Il est représenté avec quoi, Spider-Man? Spider-Man. Il est représenté avec quoi? Une toile d'araignée. Une toile d'araignée que j'ai ici. Voilà, donc... Voilà. Qui va te servir aujourd'hui. Mon élément de peinture. Je vais peindre avec. C'est la même galère que toile d'araignée pour Halloween, non? Ouais, c'est ça. C'est ça. Bon, alors comment je vais faire? Je vais la jeter sur ma toile. Je vais je la dispose correctement, à ton avis, Gabin? Non, je la dispose correctement. Tu crois? Ouais, voilà. Voilà, comme ça. Et étends un petit peu plus. Non. D'accord, on va regarder un petit peu. Est-ce que tu vois? C'est disposé vraiment aléatoirement, mais bon, du coup, ça va bien rendre, à mon avis, à la fin. Voilà, donc encore une technique de fluid art inventée par moi-même. Voilà. Et c'est parti. Tant qu'on aura des idées, des idées qui viendront de vous, et écoutez, voilà, vous avez juste à nous dire quel type de fluid art vous aimeriez que maman fasse ou qu'on fasse sur notre chaîne. Et après, on va essayer de trouver un objet qui est en rapport avec ce super-héros, ce personnage. Et puis après, on pourra fluidifier ce personnage fictif. Voilà. Ton téléphone sonne, je te laisse continuer. Ah, attends, je t'attends. C'est bon, maintenant, c'est toi. Voilà, bon, désolé, on a été coupé par Lily qui nous appelait parce qu'elle fait du vélo avec sa copine. Voilà, donc avant que cette vidéo commence, je voulais répondre à une question qui revient vraiment très souvent dans vos commentaires. C'est: est-ce qu'on doit te tutoyer ou est-ce qu'on doit te vouvoyer? Tutoyez-moi, s'il vous plaît, dites-moi tu. Parce qu'autrement, j'ai l'impression d'être une vieille mamie et ça me va pas. Alors, je suis pas toute jeune, mais je préfère qu'on me tutoie. Donc, n'hésitez pas surtout à me tutoyer. Ça me fait vraiment très, très plaisir qu'on me tutoie, tout simplement. Donc, c'est parti, Gabin. On y va. Vas-y, Quelle couleur en premier? Les couleurs Spider-Man. Ah non, le blanc. Le blanc, vas-y. Le blanc, la couleur de fond. Je pense que je vais le répondre. Là, je te conseillerais même pas. Je sais pas comment te conseiller parce que j'ai jamais vraiment expérimenté cette technique de toile. Ou alors, je fais la méthode pouring où on empile toutes les couches les unes sur les autres. Ce que tu veux. Allez, je fais la méthode pouring. Hop. J'ai l'impression de pas être au centre du tout de la toile. Hein. Ah, c'est spécial, ça lève. Oh, regarde, ça fait un truc bizarre. Ah, ça fait pas super beau en fait. Ça fait même moche un peu là. Regarde, c'est trop bizarre. Est-ce que tu vois bien? Ouais, là, je vois nickel, mais c'est spécial. Hein. Mais bon. Ouais, c'est spécial. Hein. Bon, allez, du rouge. Oula, on a l'impression que tu verses pas de rouge. Mais oui. Regarde, parce que ça passe sous la toile. Ah, mais ça fait trop bizarre. Et en fait, c'est pas du tout ça qu'il faudrait que ça fasse. C'est trop curieux. C'est pas du tout ça qu'il faudrait que ça fasse. Maman a versé vraiment beaucoup de rouge. Hein. Regardez, on voit. En fait, le rouge, il passe dessous. C'est très, très spécial. Bah, tu vois, c'est au moins, ça fait quelque chose d'original. Le bleu. Ça va faire pareil. Ça va faire pareil, il va s'enfoncer dessous. Regarde, il disparaît. C'est trop drôle. Je mets plein de bleu et en fait on dirait que j'en mets pas. Tu sais, ça fait comme dans les TikTok quand tu verses, mais en fait ça verse pas. Ah ouais, non mais là... Waouh, mais c'est trop bizarre. Là, regardez, alors maman a mis quand même une très très grosse quantité de peinture. Il y a plus de rouge et de bleu que de blanc. Et en fait, et bon, on dirait qu'elle en a vraiment mis très peu, en fait ça s'étale. C'est très bizarre. Bon, la petite touche de noir quand même. Mais une petite touche. Indispensable. Alors en fait, le rouge et bleu, ça va se transformer en violet, ça sera plus du tout Spider-Man. Bah si, bon, c'est Spider-Man fluidifié, maman. Bah oui, c'est ça, écrabouillé, donc il se mélange. Écrabouillé, donc ça va faire du violet, forcément. Regarde, je vais faire comme ça, là. Ouh là là. Alors là, j'ai trop... chose du coup, je sais même pas ce que je dois rajouter comme peinture. Non mais chose que là, tu sais très clairement, c'est que t'as clairement pas assez de peinture sur ta toile. J'ai pas assez de peinture. Ah non, la fois. Bon, alors je remets du rouge. Au moins le double. Hein. Attends, mais du coup, je vais faire un truc comme ça, là, je sais pas. Un truc bizarre. Vraiment à fond. Regardez ce que ça donne. Allez, je mets du bleu.
Donc voilà, vous voyez. En plus, il y a le vent qui pousse la peinture. Et qui pousse aussi la toile. C'est très bizarre, hein. C'est très chelou. Je m'attendais pas du tout à un truc comme ça, en fait. Hein. Je vais venir vous faire une petite photo, comme à chaque vidéo, parce que là, je suis l'assistant officiel de Wepop. Oui. Donc, voilà, j'ai alors, instant photo. Oh, mais c'est vraiment très beau. Ah, c'est beau, hein. C'est beau, mais c'est bizarre, quand même. Et un peu de noir. Hein. Je sais pas où je vais mettre du noir. Autour. Waouh. Si vous en pensez, vous aimez, c'est bizarre, hein. Je fais un plan en mode paysage pour qu'ils puissent voir tes abonnés. Une vue vraiment zoomée de la chose. Ouais, voilà, bah écoute, je suis contente, hein, Gabin. Bah écoute, c'est nickel, hein. C'est stylé, comme tu dirais. Non, mais là, c'est très stylé. Ouais. Je pense qu'un petit peu de blanc encore autour, ça serait pas mal. J'ai envie de laisser comme ça, Gabin. Bah laisse comme ça, écoute. Je vais laisser comme ça. Bon, je pousse tout. Voilà ce que ça donne. Ouais. Et puis je la lève pas parce que autrement ça va couler. Bon, j'ai déjà de la peinture sur les doigts. Regarde ce que ça donne si je commence à lever un petit peu. Attends. Ouais, alors je vais vous faire une vue. Alors hors caméra, j'ai rajouté sur les conseils de Gabin un petit peu de blanc et de noir autour. Non, attends, là c'est bon, j'ai fait un gros plan sur la toile. Mais moi, est-ce que tu voudrais pas qu'on lève bien, on lève bien tout d'un coup? Bon, okay. Allez. Un. Mais on lève doucement, hein. On lève doucement. Un, deux, trois. Waouh. C'est trop trop beau. On enlève? Attends, on laisse couler un peu, non? C'est ce que tu, comme tu veux, hein. Ah bah voilà, j'ai plus le choix, en fait. Gabin a décidé pour moi. Regardez un petit peu, il faut que tu viennes prendre une photo, Gabin. Oula, je sais plus quoi faire. Donc là, c'est cadré. Oui, mais moi, je suis pas cadré, moi. Alors, je sais pas si vous me voyez. En tout cas, ils t'entendent. Bah, vous m'entendez. C'est beau. C'est très beau, hein. Qu'est-ce que t'en penses? C'est nickel. Il y a beaucoup de vent, Gabin. Et je me demande ce que ça va donner quand on va tourner. Ça va peut-être partir en même temps que le vent. Mais non. Regarde mes cheveux. Tant qu'il n'y a pas de peinture dans les cheveux, c'est nickel. Alors, je vais tourner. Est-ce que tu es cadré sur la toile? Ce qui va se passer, c'est que là, je vais faire le plan large avec la caméra et le gros plan sur la petite... Ouais, mais large, pas trop large quand même. Hein. Attention. Je sais pas si vous me voyez. Là, c'est parfait. Vous êtes prêts? 1, 2, 3. Spider-Man. Refais tourner. Ouais, un je vais bon refaire coup, tourner. Là. Regarde comme c'est beau, là, Gabin. C'est super beau. 1, 2, 3. Oh, je me reçois sur les chevilles. Et en vrai, laisse comme ça, ne fais plus tourner. Hein. Peut-être une dernière fois, regarde, évidemment, qui n'est pas comblé tout à fait, celui-là. Non, regarde, si je soulève un peu. Vas-y. Regarde un peu ce côté-là, Gabin. Regarde un peu comme c'est beau. C'est magnifique. Je vais soulever un petit peu et la terrasse elle est trop belle là encore. Ça a pas l'air de vraiment vouloir descendre, hein. Ah non, t'es en train de tout défoncer le milieu là. Ah en fait. Mince alors non. Donc non, c'est peut-être pas une bonne idée. Vas-y, retourne. Ah, c'était clairement très très lent. Hein. Là c'était vraiment. Bon, alors les amis, c'est magnifique la toile. Non, et si je laissais comme ça, Gabin? Non, en fait il faut la finir. Il faut la terminer quand même. Attends, je vais prendre du rouge alors. Bon, alors j'avais empilé mes pots de peinture, pas une bonne idée, hein. Voilà, hop. Oh, regarde, Gabin, je fais comme toi, tu sais, là, comme tu faisais sur ta toile. Ouais. Oula. Je tourne? Ouais. Ou je tourne pas? Fais tourner, parce que c'est pas très beau l'angle, hein. 1, 2, 3. Qu'est-ce que c'était que ce lancer? Raté, complètement raté. C'était vraiment très lent. Oula. Et là, l'angle d'un coup est nettement plus beau. Regardez un petit peu. Ah cette... ouais. Regardez un petit peu cet angle. Là, c'est magnifique. Là, c'est clairement le plus beau Spider-Man fluidifié. Voilà, donc j'en ai de partout. Mais c'est ça, hein, les artistes. Hein. Voilà, c'est exactement ça, les artistes. L'angle, ça y est, il est bien, bien arrangé. C'est joli. Bien nickel. Bon, moi, je suis hyper contente encore. Hein. C'est vraiment, résultat, vraiment, c'est très, vraiment très, très beau. On vous mettra des photos à l'écran. Ouais, Gabin, il parle plus que moi dans les vidéos. Ah, ça y est, il me dit je me tais, maman, vas-y, te parle.
Je vous mettrai à la fin un petit ralenti du tournage. Tournage du tournage. Donnez-moi toutes vos idées de personnages que je pourrais fluidifier pour notre galerie d'art, Gabin. Exactement. On commence à avoir beaucoup de tableaux. 10 là, on en a. Ouais, 10 tout rond. 10 tableaux déjà. Un jour, on fera un room tour de tous les tableaux. Voilà. Dans la galerie. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé la faire, comme tous les flux d'art. C'est vraiment super sympa. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Je vous fais plein de gros bisous. À bientôt, c'était Webpop.